Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Splatoon 2 avec la map Polymorph. Donc on se retrouve pour le Splatfest. Team Popcorn salé contre Team Popcorn sucré. Donc moi j'ai pris sucré pour suivre les amis, voilà. Parce que tout le monde a pris sucré, donc je prends salé, je mange. Jamais de popcorn. Alors jamais, hein. La dernière fois que j'ai dû manger, ça doit remonter à peut-être 10 ans. C'était du sucré. Voilà, donc la petite spécificité, mais pourquoi ils nous la mettent pas dans une vraie map, bordel de merde? Non mais c'est vrai, c'est un petit peu décevant parce que ils font plein de trucs originaux. Et pendant les Splatfest, ils les mettent pas. Enfin, ceux des vraies maps, ils les mettent pas. Donc là, je joue liquidateur léger. C'est une arme que je joue pas forcément parce que j'aime pas trop. Enfin, c'est pas que je joue pas bien avec. C'est une arme que je jouais énormément pour la Splatfest. Mais je veux jouer à des armes plus originales. Voilà. Pour moi, c'est pas une arme originale. Après, il y a du boulot. Par contre, c'est horrible au snipe. C'est juste horrible avec les bombes. Vu que j'utilise beaucoup les bombes. Faut sauter, hein. Prendre par derrière, parce que j'ai pas beaucoup. Alors la spécificité de cette arme, c'est qu'elle a pas mal de dégâts et plus de cadence que le NZAP. Donc l'équilibrage du niveau n'y est pas, mais on s'en fout, hein, parce que le principal c'est de tomber avec la nouvelle map. Donc franchement elle est vraiment jolie, elle fait plaisir, elle est jolie, ça reprend les trucs du mode histoire comme ils faisaient avant sur Splatoon. Pourquoi ils nous le refont pas sur Splatoon 2? Là normalement ça doit être gérable, et le gros souci c'est qu'avec les bombes, et ben en fait ça déclenche. Donc j'ai choisi une pado. On va pas perdre. Donc j'ai choisi une pado qui permet de recharger énormément. Très très vite. C'est bon. On va pas perdre à la fin. Hein. Pff, sérieux. Alors je sais pas ce que ça a donné ce Splatfest. Je suis pas tombé contre ma couleur encore. Les teams à l'air étaient équilibrés. Je pense qu'il y a autant de sucré que de salé. On recouvre à bord. J'espère que ça va nous aider. Donc je couperai et j'essaierai de vous faire voir que la nouvelle map, sauf si j'y arrive vraiment pas. Car là, ça faisait bonne demi-heure hein, que je jouais. Bon, ça fait plaisir, ça fait plaisir. Alors moi, ça fait une arme que je joue pas tellement. Ça change un petit peu dans la vidéo. Donc j'ai augmenté un petit peu de niveau. J'ai pas utilisé de bonus, je crois. Non, j'ai pas le bon du sur. J'ai pas repris des atouts, mais on s'en fout. Donc on va continuer. Donc j'ai coupé juste le temps d'attente qui était monstrueux. Donc ce qui est très frustrant avec les Splatfest, c'est que les maps, en fait, on les a très rarement. Et quand on les a, et ben, en fait, on va les avoir d'affilée. Donc faut surtout pas, si vous voulez faire les nouvelles maps, faut surtout, quand vous commencez à l'avoir, continuer à jouer. Ne changez pas parce que vous n'êtes pas sûr de l'avoir. Vous avez globalement là une fois toutes les heures, ce qui est minuscule. C'est minuscule le temps. C'est globalement sur c'est à peine un quart d'heure dans la map, on l'a à peine un quart d'heure. C'est monstrueux, c'est nul. C'est très mal fait. C'est une map qui est censée être spécifique à un week-end. Et ils sont pas foutus de nous la foutre un peu plus. Non mais. Je comprends pas, Nintendo, ils sont incompréhensibles. Ils sont incompréhensibles et c'est frustrant parce que moi je m'en fous là, j'avais caviar, mais qu'est-ce que je m'en fous de caviar? C'est une map qui date de Splatoon, je m'en fous de l'avoir. Et en fait, il devrait en avoir que deux et pas trois.
Ce qui fait qu'on ne tombe pas sur la nouvelle map. Mais moi je m'en fous, moi si je joue au Splatfest, c'est juste pour la nouvelle map. Non mais c'est vrai. Et du coup ce qui est frustrant, parce que là les nouvelles maps elles sont pas prêtes d'arriver, hein. La prochaine elle est, je crois que c'est début été, enfin juin, examen, voilà tout ça. Du coup c'est très tard, et je veux dire là, si pour un Splatfest, mettez nous là, moi je m'en fous, en fait, même si elle est, bon c'est vrai que certains disent parfois elles sont pas bien et tout, moi je m'en fous, c'est une nouvelle map, c'est de la nouveauté dans le jeu, c'est de la nouveauté qui n'est pas exploitée. Alors lui, hop. Donc j'ai un petit niveau, hein, je... Les armes corps à corps, je suis pas très fort. Voilà, ça c'est mon point faible en fait, je suis pas arme de corps à corps depuis Splatoon. Je vais le faire parce qu'il va me tuer. Je vais être relou. Donc là on peut faire du spawn kill à mort, hein. C'est très agréable. Ça fait un petit effet bizarre. Hein. Faut juste bien viser, hein. C'est ça le principal. Mais je suis avantagé parce que j'ai une plus grosse cadence. Voilà, toujours arriver en dessus, sauter. C'est très bizarre, mais faut tout le temps sauter. Aerogun, je suis pas top. Je suis pas fan du tout. Oui. Tellement de cadence. J'espère qu'on a gagné. Enfin, j'espère qu'on va gagner. Pas de fête, ça. Coralie, faut qu'elle gagne. Perle, souvent, elle gagne tout le temps. À part dans la démo et. Et un Splatfest. Donc là, je suis content. J'espère qu'on va retomber dessus. Donc, j'ai pas encore l'Octopath Traveler. Je vais peut-être le prendre. Je vais peut-être le prendre, mais j'attends encore un petit peu. Pour avoir la nouvelle tenue, j'attends un petit peu. Parce que. J'attends la mise à jour, d'avoir les nouveaux équipements, et puis je verrai. C'est pas mal les atouts que j'ai eu. Alors là, c'est génial, c'est comme je le dis. Trois parties d'affilée, hein. J'ai pas changé. Je code juste les petites pauses, parce que ça sert à rien, voilà, d'attendre un petit peu que les équipes soient là. Le décor d'alentour est toujours là. J'ai entendu des rumeurs, alors... Est-ce qu'elles sont vraies, est-ce qu'elles ne sont pas vraies? Les maps seraient jouables avec je ne sais plus quelle mise à jour. Les maps seraient peut-être jouables. Les maps des Splatfest. Ah! Vous voyez là, c'est dommage. Il y a bien joué, il y a bien joué. Enfin. Il y a mieux joué que moi. Trois d'affilée, donc c'est bien comme ça, ça. J'aurais quasiment fait mon quota. Non, mais je préfère vous faire voir quand même des nouveautés que les anciennes maps. Hein. C'est pour ça que je fais. Parfois, je fais des petites vidéos Splatoon comme ça où il n'y a rien. Mais c'est bien d'avoir une vidéo Splatoon avec une nouvelle arme, avec une nouvelle map, avec un petit truc, même si je rage dessus. Ce qu'il faut se dire, c'est que j'ai quand même 1000 heures en tout sur Splatoon, Splatoon 1, Splatoon 2. Donc, moi, ce qui me hype le plus, c'est une nouvelle map. C'est de la nouvelle interactivité. C'est pas le fait de retomber sur les vieilles maps. Moi je m'en fous, j'ai déjà joué. Et en plus il est saccage les trois quarts du temps. Après je trouve que c'est sûr pour quelqu'un qui a pas joué à Splatoon, qui a pas eu de Wii U, eh ben, c'est sûr, il y en a pour son compte, il tombe sur des nouvelles maps. Il faut savoir, c'est que la Wii U s'est vendue à presque atteint les 14 000 exemplaires, je crois, 13 000 et quelques. Et la Switch, elle a fait ça en même pas un an. Même pas un an. Je crois qu'avant les fêtes, elle y était déjà quasiment. Donc, voilà, très peu de gens ont joué à Splatoon. Et d'ailleurs, Splatoon n'est pas... En France, se vend, mais pas tant que ça. Le pire, je crois, c'est aux États-Unis, je crois qu'il marche pas tant que ça.
Il ne fonctionne pas tant que ça. Oh, je l'ai pourchassé, mais... Que nini. Voilà. Je voulais remonter et essayer de les avoir. Toujours pas surprise. Donc là, on va aller par là. Oui, je pourrais vous faire un petit verdict d'ailleurs sur la manette pro, parce que je vous en parle pas. Et ben finalement, on s'y habitue très bien. C'est fou, mais... On s'y habitue très très bien. Alors là, j'ai fait du caca en spray. On s'y habitue très bien. Au final, le stick, enfin, il est pile poil à la bonne hauteur, ça va. Un petit temps d'adaptation, mais très très bon. Très très bon feeling. Les gâchettes, tout ça, nickel, nickel, nickel. C'est vraiment agréable. Ouh, ça se voit jouer à gros. Je tombe bien. Je suis avec des bonnes équipes. Ils jouent très bien. Autre les niveaux. Regardez l'équilibrage, il est pas ouf. Hein. Il est pas ouf l'équilibrage. Je suis peut-être pas bon, peut-être parce que j'ai une arme que je joue pas beaucoup. Ça joue aussi aux armes. Voilà, on se retrouve après un bon quart d'heure. Un bon gros quart d'heure. Toujours avec mon liquidateur marqueur léger. C'est ça. J'ai un doute. Oui, c'est marqueur léger. Bien fait. Toi ingénieur. Du potentiel même au snipe. Cross kill. Là il y a cette zone là, faut que je reprenne. Les corps ne changent pas, hein. Globalement c'est toujours des caca, des sortes de sacs plastiques là, je sais pas trop quoi. Ça pourrait être crade. Ah non. Obligé. Enfin, il y en avait un, c'était obligé. Vu tous les dégâts que j'avais fait. Là, faut pas penser à... Alors la map, j'ai un petit peu joué, mais en... avec un sniper en privé, donc c'est... Enfin, pas en privé, mais en... C'est vraiment fun. Donc je vais essayer de vous en refaire une sur cette map. Je vais quand même essayer. Oh, ça c'est pas joué à grand chose. C'est pas grave, c'était équilibré. C'était équilibré. Ouais, c'est dans son famille. Puis après on se laissera là-dessus. Et puis si j'y arrive vraiment pas, bon, on le fera sur une autre map. Eh bah c'est pas si tôt. Purée, j'ai cru que j'allais jamais l'avoir.
Voilà, je voulais vous faire voir avec le snipe. Hop. Donc avec le snipe, on peut rusher. Vous voyez comment c'est. On recouvre rien du tout, mais je trouve ça très marrant. Bon voilà. C'était pour vous faire voir ça. Donc oui, le choix du Splatfest, je vous en ai pas parlé. J'aurais préféré que ça sorte une semaine avant et qu'il y aurait eu genre œuf, plutôt œuf de Pâques ou lapin de Pâques, plutôt poule, voilà, il y a déjà eu œuf ou poule, mais même les cloches ou enfin, même sucré salé, enfin les crêpes sucrées ou les crêpes salées auraient été mieux, je trouve. Enfin, le Splatfest, il est pas. Le thème n'est pas ouf, Nintendo, il faudrait nous faire un thème. J'en ai parlé sur mon. Sur mon compte privé, voilà. Alors oui, ce que je vous en ai pas parlé, c'est des pendants sur le bon. Je vais vous faire voir ça parce que cette zone-là, si on lance une bombe, vous allez voir, c'est horrible. Donc là, je lance une bombe. Elle explose MTP. C'est-à-dire que là, je lance une bombe là. Vous voyez? Vous voyez le fun? Je suis tout le temps ramené là. Donc vous voyez, c'est. Ça peut être gênant avec un ennemi. Vous voyez, je veux tuer un ennemi. Je lance une bombe là. Attendez. Et je suis TP. Donc je suis. Vous voyez? C'est ça le souci. Mais ça, c'est très fun. Donc là, c'est nanardesque. Hein. La partie, c'est vraiment pour vous faire voir ça. C'est dommage que ce soit à la fin. Vous me direz, mais ce sera pour ceux qui regardent les vidéos jusqu'à la fin. Voilà. Les snipers vont pas atteindre toutes les zones. Hop, là je l'ai feinté. Et du coup, bah le mec il. Je retrouve sa zone. On peut gagner. Hein. Je joue 30 minutes sérieusement. Bon, c'est à exploiter. Je vais essayer. J'aimerais bien voilà, qu'elle soit beaucoup plus. Je veux dire, c'est pas normal d'attendre 20 minutes pour avoir la map spéciale événement. C'est ça le gros souci. Parce que là, je vais vous dire au revoir, parce que je suis pas sûr de retomber dessus. Du coup, je vais vous dire au revoir. Et à une prochaine vidéo. En tout cas, je me serais bien amusé dans la dernière partie. Allez, salut!